Quels sont les outils que vous utilisez au quotidien pour vos communautés, ce qui sont adaptés à vos usages? Et puis, si vous êtes dans une organisation, eh bien, est-ce que vous avez pu vraiment les choisir? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui, j'ai comme invité Laurent Marceau, secoueur de cocotiers, qui va nous parler du problème avec les outils. Alors, Laurent, c'est quoi ce problème dont tu parles avec les outils? Alors, le problème avec les outils, c'est que bah, pendant longtemps, les outils étaient au service des humains. Et même ce qui caractérise un bon artisan, c'est la capacité à choisir l'outil qui est pertinent pour lui. Et ce qu'on voit de plus en plus dans les organisations, c'est que les outils sont devenus des outils pensés par d'autres qui, en fait, vous sont imposés. Et donc, ça, c'est des choses qu'on a vues apparaître au moment de la taylorisation. On a vu, du coup, les artisans perdre la capacité de maîtrise des outils. Et donc, ça donnait le travail à la chaîne. Et on s'aperçoit que dans les travaux, dans les métiers qui sont des métiers soi-disant intellectuels, on commence à voir maintenant une perte de la maîtrise des outils. Donc des humains soi-disant payés pour leur cerveau, pour travailler avec leur cerveau, qui n'ont plus la capacité de choisir les outils qui sont pour eux. Donc on assiste à une taylorisation du travail intellectuel. Et alors très concrètement, comment on fait pour s'en sortir? Alors, je pense qu'il y a deux entrées. La première, c'est de repenser ça. Si on veut pouvoir penser PAN, il faut penser PEN. Donc, prendre un peu du recul. Si on veut pouvoir penser, donc réparer, il faut pouvoir penser PEN. Donc, c'est des fois s'arrêter et prendre du recul par rapport à des outils qui nous semblent normaux. Voilà, on est dans des mécanismes qui nous semblent habituels, sauf que qui provoquent de la souffrance au travail, qui provoquent des burn-out et tout ça. Et c'est vraiment s'arrêter et de voir est-ce qu'effectivement ces outils-là nous permettent d'être efficients, nous permettent d'exercer ce qu'on appelle l'art du métier. Et si jamais on a conscience que bah, en fait, c'est plutôt des outils qui vont nous annihiler justement notre capacité d'organisation, eh bien c'est du coup soit retourner voir nos DSI ou nos coachs qui nous aident avec des méthodos qui sont des fois prépensés. Du coup, un des enjeux, ça va être de discuter avec ces soi-disant organisateurs et de dire, nous, voilà les usages qu'on a besoin d'outiller. Et du coup, les outils que vous nous proposez annihilent nos usages, voire même de résister. Et donc là, on commence à voir des personnes qui sont dans la désobéissance ou la résistance Alors, par rapport à des outils qui à leur vous de sont jouer, imposés. et je vous propose de prendre un petit peu de temps pour réfléchir à l'adaptation de vos outils et de vos usages. Est-ce que ça fonctionne bien ensemble? Est-ce que vous avez les bons outils pour ça? Et puis d'en parler aussi à ceux qui vous les conseillent, à ceux qui vous les imposent aussi, si vous êtes dans une organisation, de manière à pouvoir avoir les outils les plus adaptés, effectivement, à vos usages. Et puis, je vous propose aussi de commenter, de mettre dans les commentaires comment vous avez choisi, quels outils vous utilisez, est-ce qu'ils sont adaptés à vos usages et pourquoi oui, pourquoi non. Vous pouvez bien sûr vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker, ça aide beaucoup tous ces contenus à être beaucoup plus visibles sur Internet. Vous pouvez partager effectivement ces contenus qui sont libres de droit. Et pour ma part, je vous propose aussi de télécharger mes conseils personnalisés pour votre communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Thank you.